Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kido 766 pour l'épisode 7. Je sais pas pourquoi en fait j'avais ce moment en tête pour remettre mon casque, mais du coup ça fait bizarre en vidéo. Sur Rise of the Tomb Raider, pardon. J'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va nickel. Lara en fait qu'à sa tête, premier décès au bout de 19 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal, même avec l'intro. Wow, est-ce que ça a compté ma récupération? Oui. It counted. Yeah, like the English said. Donc même avec l'intro, je suis mort au bout d'une minute, c'est pas mal. Non, j'ai fait une fausse manip au niveau des sauts. Mais voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours autant. Ah, la santé revient et quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, quand l'appétit va, quand l'appétit va, tout va. Alors que j'avais dit que c'était la santé qui allait. Soviet military dog tags, standard issue. Uh-oh. Ça c'est le chemin pour aller là-bas. Donc on va juste mettre. Non, tu fais chier là le jeu. Merci. What? Ah, faut que je remonte sur mon toit. Ce saut. Et là, elle a. De toute façon, l'endroit où il fallait que je me rattrape tout à l'heure, il est scripté parce que il le fait à chaque fois que j'y vais. Le jeu me dit rattrapez-vous. Mais what? Wait. What? Bah, je sais pas. En fait, je pense que c'est bugué parce que là, ça me dit que c'est traité haut, alors que sur la carte, il me dit qu'il est dans le bâtiment en face. Donc, je pense que c'est bugué. Ou c'est moi qui suis très au-dessus. C'est peut-être ça en fait. Et oui, c'est clair, c'est moi qui suis très au-dessus. Du coup, quand je suis comme ça, voilà, ça a plus de sens déjà. Comment j'y vais? The hero of the Soviet Union medal. It's the highest. Ah bah, ils ont fermé la porte. Pourtant j'ai pas quitté le jeu ni rien, c'est chelou. Est-ce que vous pensez que de là-bas, je peux avoir accès? On va retourner voir. Hé hey. Mais attendez. C'est qu'il me semblerait que oui. Ton tirant, ça fait quelque chose? Non. Donc c'est bien de là. Non, de là, j'ai pas accès. Hein. Ok, si. Ouais, mais c'est pas pensé pour. Genre, je pense que si je m'y accroche, ça va bugger. Ouais, voilà. Ah, du coup, faut que je. J'ai survécu. Tout va bien. Bon. Du coup, je vois pas où est le point d'accroche pour aller là-bas. Mais bon.
Et je pouvais passer par là aussi pour y monter. Non, là, tu fais n'importe quoi. Eh, mais les sauts, des fois, ils sont d'une imprécision hallucinante. Ok, ok, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas censé arriver là, j'ai l'impression. Parce que je suis passé un peu à travers le toit. Mais je suis allé là-bas, en face? Oui, je suis allé. Bon, du coup, je sais pas trop comment on y va. On verra ça plus tard. On va avancer encore un peu dans la zone. Par contre, à chaque fois, je me trompe. Entre les jeux, il faut appuyer sur carré pour mettre un point. Ceux où il faut appuyer sur croix, je comprends plus. Donc, on va avancer, on verra bien. J'oublie à chaque fois qu'il faut que j'appuie sur carré, ici c'est scripté. D'ailleurs c'est pénible le script, la première fois ça le fait, mais à chaque fois que tu vas, un peu relou. Ça mène. Il me reste deux coffres, donc j'aurai la mitraillette à la fin en fait. Vite, vite, vite Lara. Oh putain. Des objets là, à récupérer? Non. Not sure. Can't really see. But I just lost contact with the sweep team down below. Ok, pas de truc dans ce bâtiment. C'est bizarre. En fait là, Lara, là il y a une plateforme pour sauter. Nous mène là-bas. La question c'est de savoir quel est le bon chemin et le chemin qui nous mène à un bonus quoi. C'est ça la question. Moi je me dis que l'échelle c'est quand même plus risqué. On va bien voir, hein, de toute façon on fera les deux. Hein. Après je suis en train de me dire mais l'échelle. Non c'est bon, il y a un autre chemin. Je crois que ça, les deux mènent au même endroit en fait. Ça, tu récupères rien à l'intérieur mais ça te rapporte de l'XP, du coup le jeu te laisse les ouvrir quand même. Je crois que ça mène au même endroit. L'important c'est que le coffre que je veux, il est là. Jouissance éternelle. Ça sent la grosse scène d'action parce que je vais direct être à couvert. Ça explose, ça. Faut vraiment travailler la précision de ce truc hein, par contre. Lighter up. Non 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 non. Ah, back me up. Non, c'est pas bon. Et là, je pensais qu'en fait j'allais être à couvert et je me suis en fait du mec, j'ai fait. C'est un décès.
Ah oui, là. There she is. Open fire. Il y en a encore deux qui me tirent dessus en fait. Je vais me soigner, c'est pas grave. Tiens, j'avais le viseur sur sa tête, j'ai continué à bouger, je suis trop con. Et il me saoule. J'ai changé ma sensibilité, c'est chelou. On va encore la réduire, hein. Cette partie de bâtiment. Encore des objets. Récupérer. Je peux regarder là sur la carte. Presque niveau 3. Finally uncovered the temple of the prophet's blessing. They have halted. OK, faut monter pour voir ça. Toujours un truc pas terrible là-dedans, je sais pas pourquoi j'y vais. Voilà. Et là, il faut monter pour le tout. Putain, c'est devant moi quoi, genre je le vois avec mes yeux. Big fucking trouble. I've been snooping around, saving a few files for my personal use, and I found a correspondence thread about me. Worse, I think I was supposed to find it. The head of security knows I've been leaking data. Probably known all along, and they're just watching for now, waiting to see what my... Ok, donc déjà avant de traverser, on récupère un objet qui était juste à côté. Ah merde! C'est pas un autre chemin en fait. Alors, est-ce que je peux tenter le diable? Ok, c'est passé un truc chelou. Genre, je suis passé au-dessus de mon objectif. Ce qui est quand même vachement perturbant. Et tenter le diable, en fait, je comptais juste faire ça. Genre là, tu vas sauter sur la droite. Tu peux pas le faire. Putain. Ouais, un point de mon pétanque. Small gentleman's pillbox with an enamel hammer and sickle. There's a residue. Mais en fait. Hey, alors là je peux faire deux trucs. Un, brûler ça. Je savais qu'on pouvait brûler les affiches.
trouver les 7, ça va être compliqué. Alors maintenant la question c'est, est-ce que... Genre le coffre est vachement plus bas. On va revenir sur nos... sur nos pas. Ok, le coffre flotte dans les airs. C'est un concept. Donc soit il y a un gros bug de texture et ça me semble que ce soit le cas. Soit c'est plutôt étrange. On va avancer, on va voir. Du coup c'est trop bien, je commence à débloquer le fusil à verrou, mais en même temps c'est trop pas bien parce que la mitraillette dans l'histoire. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Lara. Donc c'était bien un bug de texture. J'arrive. God willing, that'd be too easy. Let me see that activity log. I think it mentioned the safe. Manifest says the Soviets stored the most valuable artifact from the site in this safe. Let's crack it open. Who's got the torch? On it. Okay, the rest of you, don't touch anything. Catalog whatever artifacts you find. All of this came out... Fire in the hole! Là, normalement, j'ai tous les trucs. Ah, je peux aller voir le monolithe là-bas. Mais là, normalement, j'ai tous les trucs de la zone. Que j'avais déjà sur la carte. Donc, à moins de trouver d'autres cartes, j'ai tout trouvé, quoi. Alors, avec le gaz, c'est pas une bonne idée. Pourquoi elle veut pas recharger? C'est bon, elle a rechargé son flingue ou quoi? Non, toujours pas. Ça fout ma gueule. Ah, petit freeze. Du coup, je vois une balle là. Ah non. Comme je kiffe vachement moins les séquences de gunfight qu'avant. Je sais pas, je crois qu'il y a un truc chelou dans les gunfights là. Enfin, quand j'y avance, c'est par rapport à l'ancien, hein, pas par rapport au début du jeu. Ah, ça sent le mec en armure. Avec un bouclier. Yes, sir. Fan out. We have her surrounded. I'll go look. I got an angle. Moi aussi, j'ai un angle. You're dead. Ah ouais?
Ah, je me suis cramé, putain, le boulet. Comment tu sais où je vais viser? Tu peux pas me voir à travers ça. Le temps de viser est tellement long. What? Je me suis pris quoi dans la gueule? Une planche, t'es sérieuse? Mais du coup, il a pas peur pour sa tête, donc je vais prendre le casque en fait. Là, il va avoir peur pour sa tête. Voilà. C'était facile. Non, c'était pas facile en fait. Ça c'est vraiment super risqué de faire ça. Cinématique. Oh, changement de luminosité, un truc de ouf. We seem to be making a habit of saving each other. Thanks. I'm glad you're okay. Mais vraiment petite, hein. Is that the way through? Yes. There'll be more of them inside. You don't have to do this. Can't get rid of me so easily. I still need some answers. And there's no time to waste. This path will take us all the way through the mountain. My people used these ways until the Soviets arrived and began digging. What did they find down here? Enough to make them curious. They used machines and explosives to dig deeper. Did quite a lot of damage. Many of the old paths collapsed, but it's safe now. Or it used to be. That doesn't sound good. Trinity must have found the old mining equipment. They're trying to finish what the Soviets started. And there's no other way through. I'm afraid not. Not anymore. This complicates things. What's the problem? Behind schedule. Je vais voir concrètement. Ah, concrètement, c'est une autre zone. Oh mon dieu. C'est-à-dire qu'il me reste encore tellement de choses à faire. Alors, par exemple, la cage de survie, j'ai pas pu y accéder. Les Soviets ont détruit beaucoup des anciens paths. Those machines were not built for delicate work. We'll have to sneak past them. Yes. But we have to hurry. Oh merde! Putain, des excavatrices! Pas trop. This is bad. I think I can. The
Okay, okay! I can get power now! What's that? We got incoming! Something's going on. Sweeping clear. Let's move. Je disais bien qu'il avait un casque ou quoi que ce soit. Pour ça, au début, je voulais commencer par lui. Quand j'ai vu qu'il avait un casque, je me suis dit, ah, c'est pas une bonne idée. Bonjour. Ma gorge, hein. Comme d'hab. On va prendre l'ascenseur, hein. C'est bon, j'ai compris. Oh, le couteau. De pouvoir couper les drapeaux soviétiques. Je suis surpris qu'on puisse pas grimper à ces cordes là. Par contre, je peux les couper. Bien, bonne idée. Maintenant l'ascenseur ne marche plus, hein, je le dis. Ah, parce que bon. Ah, mais du coup j'ai accès à la cage d'ascenseur. Ouh, ça, quelque chose me dit que je peux aller. Banzai! J'adore faire ça. Pourquoi elle veut pas? Ah, tu vas sauter à gauche là. Oh. J'ai pressé X avant même que le jeu me le dise parce que là je sentais qu'il va falloir. Non, je sentais qu'il allait avoir besoin que j'appuie quoi. At your earliest convenience, please acknowledge these communiques. Bon, les ruines, il y a pas grand chose. Hein. C'est une petite zone, les ruines. Pilate, Ponce Pilate. Fils de pute. Les inconnus, bien entendu. Jésus II, le retour. Putain! Bon, j'avoue, c'est pratique. Oh, c'est classe. J'aime beaucoup. This mural shows the prophet preaching in Constantinople. Et j'ai un niveau en grec, les gars. Ah, voyage rapide indisponible. Je me disais bien qu'à certains moments, on n'allait pas pouvoir. Oh, j'ai accès à la troisième ligne. That's rapidly becoming the story of my life. Fighting to survive, yet strangely. I feel hopeful. There are incredible ruins all around me. This must be part of the Prophet's lost city. But how much more is true? The divine source. J'avais oublié que je pouvais faire ça.
ça, tous les trucs de mapping, d'expérience, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en priorité. Et comment je fais pour débloquer là? Outils de fabrication. Non mais là concrètement, il me manque les outils de fabrication. Je peux toujours pas faire, les armes de niveau 2, mais je peux déjà quasiment avoir le niveau max pour le personnage quoi. Enfin je suis déjà dans la dernière catégorie pour le personnage. Je prends ça même si ça me sert à rien. Enfin, on s'amuse comme on peut. Je l'ai touché ! Je comprends pas comment on fait pour tirer sur plusieurs ennemis avec l'arc en fait. Du coup je voulais essayer de faire ça mais... Ah ouais ? Ah, j'utilise... Eh, franchement, elle est bourrine parce que. Même après avoir trouvé un couteau, j'utilise le pistolet quoi. Le piolet au corps à corps. Quoi? J'ai eu la tête là! Genre, non seulement j'ai eu la tête, mais j'aurais pas pu avoir une autre partie de son corps en fait. Putain, mais quelle précision! Oh merde! Je suis déçu là. Arrête de récupérer à chaque fois les objets ramassables quand tu veux récupérer les objets quoi. Quand tu veux fouiller pardon les trucs. Bon. We now have heavy equipment in place within the main cavern. We intend to gain access to some... Ah, c'est grand quand même. Et un coffre. Ah! Cool! Je vais retourner au feu de camp, améliorer mes armes catégorie 2 quoi. Non, parce qu'il était temps quand même. Hein. Quoi? Ah mais c'est putain de gouttes, je sais pas ce que c'est mais il m'en manque à chaque fois, ça me saoule. Ça me saoule à chaque fois les gouttes, je sais pas encore comment on en a et du coup je peux pas en avoir. Parce que moi la cadence de tir, je pense que c'est de l'huile. Les crans de tir, c'est vraiment quelque chose que j'améliorerais sur mon pistolet quoi. Dès que je m'approche. Yeah.
Someone tried to get through this door before. Oh putain, je vais mourir. J'aille par où? Par là, vite, Lara, vite, je vais mourir. Je vais mourir parce que je me suis trompé de direction. Mais non. Mais là non, j'étais bien là. Pourquoi je suis mort? J'étais trop bien là. Peut-être que je saute. J'approchais comme ça de mon bord et il ne s'est pas accroché, elle s'est laissée tomber. Et là toi. Ah ouais, c'était long quand même. Ah non, mais je tombe dans le bon sens là. Sachant que je vais bien aimer ça. J'aime bien les pics de ma voix qui fait. Attention. D16. Potter. Et ouais les gars, il vient d'où ce rocher? Le rocher qui a aucun sens de tomber nulle part. Parce que je lâche un truc en bas, c'est un rocher qui tombe en haut. Ou alors c'était le choc au niveau de la plateforme. Mais même, je vois pas pourquoi un rocher tomberait d'en haut, ça a pas de sens. Au niveau des champignons. Je suis où putain là? Ah ouais? J'ai plein de balles et apparemment j'hésiterai pas à m'en servir. Oh, ça c'est pas bon signe ça. C'est toi la grenade. Break them bitches. Merde. Salut les gars, c'était fort sympathique, laissez-moi vous fouiller s'il vous plaît. Petite merde. Merci. Des petites pièces. On dit pas non à des petites pièces. Bon, c'était cool comme scène d'action ça. Bien aimé. Hey. Now this makes sense. If I follow these directions. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. Oh, j'ai raté un document là. Comment ça se fait que le jeu me dise qu'il y en a un? Ah, c'est parce que j'ai dû le voir. Du coup, la carte se met à jour. Après je crois que les caches de monnaie, autant les caches de survie on peut les trouver parce qu'elles brillent, autant je crois que les caches de monnaie on peut pas les trouver si on n'a pas... On a par exemple une cache de survie là. Mais les caches de monnaie je crois qu'on peut vraiment pas les trouver si on n'a pas... Ah ! Une peau de sacochère. C'est ce qu'il me fallait. Oh saloperie. Je décédais si je tombais ? Ah ouais ! Ah c'est dégueu.
J'ai une peau de facochère, je suis grave content. Parce que je sais plus à quoi elle sert à m'améliorer, mais... est-ce que le jeu est au courant que je l'ai eu? Oui, le jeu est au courant. Si le jeu le sait, alors tout le monde le sait. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait des pics, c'est pour ça que j'avais vu qu'il y avait du sol. Mais c'est débile. Enfin, c'est débile. Non, ça peut être marrant de faire croire à un piège alors qu'en fait, c'en est pas, mais que du coup, ça stresse le joueur, tu vois. Mais en fait, non. Gold sword hilt inlaid with jewels. This belonged to a Byzantine noble. Hmm. The blade itself was snapped off at the base. Ouais. Je l'ai fait vite parce que on sait jamais. C'est bon, j'ai pas besoin de bullet time. Mes dons de trucs payés avec des points de compétence m'ont permis de voir. I can show you the world. Dis-moi princesse. J'ai tout mélangé hein. Ce rêve bleu. Et oui, en anglais ils disent pas this blue dream. Je sais plus ce que c'est les paroles en anglais. N'y crois plus. C'est merveilleux. Comrades, it is imperative that you respond to my... Des fois, je lis pas. Hein. Moi, je vous invite à faire pause et à lire vous-même si vous voulez lire. Hein. Moi, ça m'intéresse pas forcément. Oh, même pas besoin de bullet time. Vous prenez vraiment pour une vie. C'est pas possible. Oh, fuck! Just you and die. Merde, j'ai raté le... Un homme averti en vaut deux. Il est encore debout. Il s'est pas pris les pics? Non. Il est encore debout dans les pics. Oh putain. Hey, Maurice. Je pensais pas que ça allait marcher mais... Alors du coup là j'en ai... Que j'en ai un sur le trajet qui mène à... Ah j'ai une... J'ai raté un document au début de la zone. Là j'ai une cage, ouais. Et celle-ci je suis passé deux fois devant tout à l'heure. Ça va pas briller, c'est vraiment les cages de monnaie. Si vous ne les avez pas, un monolithe pour vous l'indiquer, c'est impossible de savoir où c'est. Ah ouais, bien entendu. Ah. Non, je sais pas. Il y a un document ici. Faut pas me prendre pour un con, il y a un document ici, je sais tout. Oh, il est là. It is clear to me now. On va faire un petit tour au feu, voir ce que je pouvais améliorer qui me manquait avec la peau de sanglier, je vais peut-être pouvoir le faire. Du coup, j'ai un point de compétence en plus. Alors, dans le survivant, je pense que c'est là où il y a le truc qui m'intéresse le plus. On va rester avec ça pour le moment. Ah, en zoomant, faut zoomer. Ok. Alors. Peut-être dans l'arc. Ouais, c'est dans l'arc. Ah,
tout cas, ça a de la gueule, hein, Sandra, hein, vraiment. Et le mitraillettage commence à être un peu en rade de munitions. Je vais passer sur le flingue. Et là, il y a un document. Ah non, c'est pas là. Ah putain, c'est là, je viens de le voir. Tout à l'heure, je suis passé à côté, genre normal. Le russe, je suis au max. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura peut-être un autre pays. Ça serait bien, hein. Ça serait une bonne surprise. Hein. J'ai un fusil. Comment ça, j'ai un fusil. Et ah, c'est la mitraillette, je pense. On va voir. Hein. Moi, je préfère une petite. Ça dépend ce que c'est comme mitraillette. Parce qu'un K47, comme K47 silencieux, c'est vraiment un truc que je kiffe. Il faudra voir la mitraillette, la différence qu'elle aurait. Bien entendu. Ah, c'est la mitraillette, c'est ça. C'est vraiment le fusil à verrou, c'est un G3-3. Oh. Ouais, en fait non. Je veux dire concrètement, elle a quoi comme intérêt? Ah, elle est plus précise. Bon, si elle est plus précise, vu la précision de merde de l'AK, on va partir sur la mitraillette. Ah, c'est un MP7. Ah, c'est cool. Enfin, c'est une sorte de MP7. J'aime bien la MP7. En fait, c'est une MP7 mélangée à une MP5. Attendez, parce que là, c'est ça que j'ai raté. Et niveau. Ah oui, d'accord. En fait, il me reste que la cage de survie et j'ai fini cette zone à 100%. J'avais même pas vu. Bon, bah, ok. Du coup, c'est cool de cette sensation d'accomplissement, vous voyez. Hein? Mais bon. C'est ça? Ah non, d'accord. J'ai pas compris. Pas grave. Je ne t'en veux pas, le jeu. C'est ça, hein, je l'ai fini à 100%. Là. It's so good. J'ai 86 pièces. Ah, mais c'est pas beaucoup. Hein. Moi, il y a des trucs que je veux qui coûtent beaucoup plus cher que ça. What the f... Si on va par là-bas. Ça fait plus de poids, les gars. C'est pas grave. Oh, ce saut. C'était pas une bonne idée. Ouh. Eh, hey, pourquoi pas. Ça va faire encore un magnifique coup de... Non. Ah, c'est quoi la blague que j'avais dit tout à l'heure? J'avais dit que ça pouvait passer comme ça. J'avais dit qu'il fallait aller là-bas. Oh, fuck. Je te rends compte que tu te prends un caillou dans la tête, même si c'est pas le caillou qui tue. Putain, j'ai encore fait tomber une bouteille d'eau. Mais elle t'évite cette fois. C'est pas le caillou qui tue, c'est... Oh bah si, si c'est un caillou comme ça, ça te tue. Hein. Mais sinon, tu tombes dans les pommes et là, vu la situation... Oh putain.
La porte est magique. Genre, il y a la porte, tout ce qui se passe avant la porte reste avant la porte. Après, il n'y a pas d'effondrement, hein, c'est bon. Faut pas déconner non plus. This statue must be the immortal prophet. And this, it shows the exodus of his people from the deserts of Syria. They settled in a hidden valley and built a great city. Kadesh. To protect the city and its people, the prophet raised an army of warriors. But what is this showing? It's not the divine source they're holding. Something else, but what? And his warriors forged for him an atlas, that the prophet might always know his city and its secrets. A map of the city. It could show the way to the divine source. Bon, on va aller rentrer dans la vallée, on va s'arrêter là. Du coup, j'ai toujours pas eu à utiliser ma mitraillette, mais je suis pressé de voir ce que ça rend par rapport à la Kalachnikov. Dra Kalach. C'était monsieur maire, n'importe quoi. Jean-Michel Maire qui avait dit ça une fois. It's a wonder this place is still standing. I can show you the world. You're gonna die. Draw. Don't throw it away, it will be painful. But you will be okay. Because it's a game. And there is always an option. What the fuck is this? What? Wait, what? What? Vas-y Stas. Non, Sibérie là toujours. Bienvenue dans The Witcher 2. Oh, ce genre de musique là. À la Le Seigneur des Anneaux. Dun, 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 dun. La vallée géothermique. Ouh, ça a l'air d'être une grande zone, attendez. 4 missions, 4 tombeaux. 5 défis, 8 coffres, 2 trésors de crypte, 13 reliques, 33 documents, 4 fresques, 20 caches et 9. Juste comparé à celle-ci. Non, celle-ci. 21 caches, 9, 12, 26. Ah ouais, quand même. Ça, c'est du même ordre en fait. Il manque encore 3 coffres forts dans cette carte. Non, mais je suis sûr qu'il y a une partie de la carte que j'ai pas découverte. C'est la seule explication que j'ai. C'est la seule explication que j'ai, parce que trois coffres forts. La relique qui manque, elle est là. Ça, c'est un fait. Il manque une fresque. Cage de survie, il me manque 3, j'en ai encore une. Après, il faudrait que j'aille au monolithe. Ah, le coffre, il y en a un que je peux pas ouvrir qui est là. Est-ce qu'il considère que dans la cabane, il y a des trucs? Je sais pas. Les caches de monnaie, bah c'est le monolithe qui va me les donner. Il y a tous ces coffres, hein. Ah, dans cette grotte aussi, il y a peut-être des trucs. Je sais pas.
Je sais pas si je vais y retourner ou pas du coup. Enfin si, parce qu'il y a un endroit où je peux... Ah, mais peut-être que je vais débloquer plus tard l'objet pour y aller. Le grappin, la corde, je sais plus quoi. Mais c'est putain de trop bien. Ouais, par exemple, là, le mec il travaille. D'accord, faut vraiment que j'aille là. J'ai un peu l'impression que ça me ramenait sur mes pas, mais... Ah non, je passe à côté. Non mais la qualité des cinématiques est vraiment énorme par rapport à la qualité du jeu. Dans les animations, tout ça. Parce que le jeu a quand même pas mal de soucis de ce type là. Stop right there. Easy. Easy. You know I'm not with Trinity. Why should we believe you? I escaped with one of yours. A man named Jacob. Where is he now? We were together, but we got separated in the mines. She killed him! No! No, 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 no! Jacob would never trust an outsider. Please, listen, I am not your enemy. I warned you. You should have left. Sophia! Enough! Father! Son père? Ils ont le même âge! I thought I lost you. I'm glad you made it out of there. Forgive Sophia, she is cautious. In her position, I'd be the same way. What did you find out? Trinity is coming in force. We must prepare. Her? She's a friend. On my word, no harm will come to her. These ruins. We must be near the Prophet's lost city. Come. We do not have much time. Alors là, je vais passer peut-être deux heures à visiter toute la zone. They're almost here. But we're outnumbered. The children and elders are vulnerable. Go. Get them into the catacombs. Light the fires. The valley must be alert. Incredible. Ah oui. Sophia. Muster our fighters. Then meet me in the upper village. Don't disappear again, father. There's much to do. If we had more time. Later. For now, I'll do what I can to help. Eh bah c'est le jeu qu'on va se laisser. Oh, je vais juste prendre cet objet là. Qui m'est donné gracieusement par le jeu. Allez, je suis à 2 sur 4 sur le fusil à verrou. Je suis très très pressé d'avoir le fusil à verrou, honnêtement. Bah moi j'espère que... This vase must have been... Of course. If we see anything, we'll sound the horns. Go with God. Tiens, c'est cool ce petit changement d'ambiance là, un peu... Toundra et tout, j'adore. Bien, on va se poser au feu. Pas de monde de compétence, les armes, on s'en fout un peu. Jacob and his people are resilient. I'll give them that. Trinity is on their way. They could do with my help. And this atlas from the mural. If it really is some kind of map of the ruins, I've got to find it before Anna. If I don't, on peut voir sans l'équiper. What? Ah, c'est le silencieux, j'ai fait... Au début, quand je l'ai vu, c'était comme ça, j'ai pas compris ce que j'avais en face de moi. Bon, je vous dis à la prochaine, j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite du let's play, et bien entendu, Bloodborne, je le dis à chaque fois, qui devrait pas tarder à arriver, ou qui aurait peut-être même commencé. En tout cas, je vous dis à la prochaine, et salut à tous.